Salut à tous et à toutes, c'est Baldéphone, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Tomb Raider 3. J'adore commencer avec un bel accent anglais, vous avez Tomb Raider. Je préfère 3. Et on venait de trouver cet endroit qui servait à que dalle. Mais alors vraiment, à que dalle. Non mais Lara, ta torche, cette torche la plus inutile au monde. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit que dans mes épisodes d'avant, là, eh ben, ils étaient vachement sombres. Et qu'il fallait que je rajoute de la luminosité et tout. Je suis désolé, mon gars, mais t'es le seul à tête plein. Donc je changerai rien, en fait. Non, mais parce qu'il y aurait 50 000 personnes qui se plaindraient de la luminosité. Je dirais encore, ouais, bon, peut-être qu'il y a un problème. Mais là, t'es un peu le seul à te plaindre, donc... Essaye de regarder avec les rideaux fermés, ou je sais pas. Ou augmente peut-être la luminosité de ton ordi. Mais moi, je ne changerai rien. Bon, là, il y a une trappe au fond de l'eau, ok. Alors, j'adore, c'est que, vous savez, je vous avais parlé d'un abonné qui m'avait aidé, là, un abonné qui s'appelle Corentin. Et en fait, il y a un truc marrant, c'est que lui, il connaît tout le jeu, ce qui fait que moi, quand moi je galère et que je me promène et tout, donc il y a un truc qui va me faire flipper, lui, il sait, et sauf que moi, je sais pas, donc il me voit galérer dans les niveaux et tout, c'est super frustrant. Bon alors mon père il m'a dit de faire gaffe avec les rails parce qu'il y a un rail sur lequel il faut pas être, sinon il y a un train qui trouve dessus je crois. Donc bon on va tenter d'être prudent. Sur notre torche là. Je roule au, je marche au milieu au moins. Oh putain il m'a fait peur. Wow. Ouais bon bah heureusement que je me suis caché. Bon. Vas-y appuie. J'ai aucune idée de ce que ça fait, je vais courir comme un gros taré. Ça aurait ouvert ça, ok. Il y a quelque chose là où... Il y a des bruits chelous. J'aime pas ces bruits là en plus. Bon je vais continuer sur les rails pour le coup. Pas trop sur quel rail faudrait que je me coude. Ah oh putain, ça m'a fait flipper. Ah, ah, ça m'a fait flipper. Ah, faut pas aller par là, mauvaise idée. Ah, oh putain, ah je veux de l'autre côté. Merde, je veux aller de quel côté maintenant? À côté. J'ai plus laissé les rails. Ah putain ça m'a fait flipper. Non je veux pas y tourner. Mais je vais aller checker de l'autre côté. Y'a rien à voir par là. Faut qu'on se regarde. Ah, ah. Vous allez voir que je peux m'en remettre. Bon. Bah pour le coup j'ai un chouïa tourné en rond en fait. Eh mais ça c'est pas le même endroit. Bah on va par là hein, les gens. Bon, ça me sert à rien les torches. Ah. Ça me sert à rien les torches ici, il fait assez clair. Putain j'ai encore mal au ventre, le truc qui me fait flipper. Wow. C'est des rails. C'est les rails qui sont là pour ça. Yo, 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 yo. Ouais, c'est générique des rats pour ceux qui connaissent, ouais. Et fuck. Il y a un endroit là-bas. Ah putain, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ce truc, j'ai horreur des trains, j'ai horreur de tout ce qui peut me rouler dessus. Non. Mon rail, j'en ai marre. Je veux plus. Ah.
Non. Ah, j'en ai marre. Je veux plus. Je veux arrêter de jouer. Ah putain. Ça va être marrant quand je vais faire Amnesia 2. On va bien s'amuser, hein. Bon, là, y a rien. Je vais peut-être tirer ça. Sortir une torche, ce qui fait relativement sombre. Putain, mais arrête de casser la gueule pour rien, là. Non, ça servira à rien que je tire. Oh, y'a un passage, là, apparemment. Fermé, ok. Oh. Oh. Ok. Juste un losange. C'est quoi ce bruit? C'est un chien. Oh, bon. Sérieux, j'ai rien vu là. Je dois être totalement aveugle. Peu importe. Wow, alors là, franchement, si les gens n'ont pas aimé mon skill, je comprends pas. Je sais. T'aurais pas que je trouve celle-là. Ok, c'est là. What? Ah! Ta gueule! C'est bon, t'es. Nanana. T'es où? Putain, ce. Je sais pas pourquoi ils ont dit, ouais, le niveau du métro, ça va être un niveau qui va bien faire flipper Balzéphon. On va lui mettre bien des trucs bien flippants tout le temps. Tout ça pour rien? Ah si, il faut que j'aille là. Ça, on doit probablement pouvoir l'ouvrir. Bon, je vais regarder là. Bon. Des bruits bizarres ici. C'est chouette, hein, cet endroit. Ils veulent que j'aille où, là-bas? Attends, je vais faire une nouvelle sauvegarde. Oh mon dieu! Fallait pas que j'aille là, mais j'ai trouvé un bonus. J'ai trouvé les fucking mini Uzi. Ça va m'être trop utile. Ouah ouah. Pitié que j'ai beaucoup de munitions. 160. Non mais, regardez. Yeah. Bon. Nya. Yeah. Yeah. Par contre, je les utilise pas. Je les ai, mais je les utilise pas. Non. Non. Non, parce que je vais me servir... Ouais, mais le problème, c'est que je suis coincé, là, maintenant. Le truc, c'est que je vais continuer de me servir de mes... Bon, je suis descendu. De mes pistolets normales et garder les usines pour un boss ou un truc du genre. Arrêtez avec vos bruits flippants, là. Pourquoi tout grincerait comme ça? Ça n'a aucun sens. Et pourquoi fallait que j'aille là-haut, en fait? Bon, je sais pas, mais je vais y retourner, hein. Je vais revérifier là. Parce que mon père, il m'a dit qu'une fois, il avait pris un losange et qu'en fait, il y avait un bouton caché derrière et qu'il avait pas vu. Parce qu'en fait, il avait pas pris le losange. Parce qu'il avait pas besoin d'énergie. Bon, moi, je prends tous les losanges, même si j'ai pas besoin d'énergie. Hein, parce que je suis un teubé. Ouais. Elle est quand même forte, Lara, quand même, hein, d'être accouchée à du rien. Ok, il y a eu un léger petit bug. Donc j'essaie de monter tout en haut ce coup-ci pour voir. Y'a rien là. Hein. Bon bah me revoilà là. Mais je me dis que ça sert à rien s'il y a rien d'ouvert en fait. C'est ça le truc un petit peu chiant. J'avoue, je comprends pas. Oh, mais attendez, on peut s'accrocher là en haut.
Bon, l'épisode est bientôt fini, hein. Dans 2 minutes je l'arrête, mais... Ouais. Pitié, pas d'ennemis qui arrivent en faisant flipper, merci. Bon bah voilà, on avance un peu. Je sens que ça va faire deux lames encore, donc j'ai un peu peur. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lara Croft, j'ai 25 ans, des seins en acier et un cul en molleton. En molleton? Ah l'action la plus épique au monde. Bon, et ben on fera ce truc qui fait dans le prochain épisode, donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert si vous l'avez aimé. Je suis un pouce vert, ta gueule. À vous abonner si vous aimez aussi les autres vidéos. À partager cette vidéo là si vous l'avez trouvé chouette. J'ai pas mal flippé. Et je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Ce qui est une bonne idée. Bye.